En période de turbulence économique, la protection du patrimoine devient un enjeu majeur pour tous les épargnants. Et plusieurs solutions permettent de protéger au mieux son épargne, voire de la faire fructifier. Je suis Thomas, conseiller en gestion de patrimoine chez SG, et je vais répondre aux questions que vous vous posez sur les placements en temps de crise. Comment diversifier ses placements en cas de crise ? Bonne question, Virginie. Le plus raisonnable, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est la règle numéro 1 de l'investisseur, et plus particulièrement en temps de crise. Diversifier ses investissements permet généralement de limiter les pertes. En premier lieu, il ne faut pas négliger les solutions d'épargne de précaution, comme les livrets, qui garantissent de disposer à tout moment de liquidités. Pour votre épargne financière, la diversification peut se faire sur plusieurs types d'actifs. Des actions, des obligations, de l'immobilier. Vous pouvez investir dans différents secteurs ou des pays de différents continents, par exemple. Les organismes de placement collectif, ou OPC, offrent des solutions pour diversifier vos investissements, en contrepartie de l'acceptation d'un risque de perte en capital. Pour en savoir plus, regardez notre vidéo « Qu'est-ce qu'un fonds commun de placement ?» dont vous trouverez le lien dans la description. Que faire de mes placements en cas de crise ? Il faut savoir réagir au bon moment, Bernard. Être vigilant, sans céder à la panique. Cela vous oblige à connaître et à suivre les marchés. Ça peut générer du stress et prendre du temps. Pour gagner en sérénité, il est possible de confier la gestion de tout ou partie de ses actifs à un professionnel, en gestion déléguée. Vous profitez alors des compétences d'un expert qui suit les objectifs que vous avez fixés. Gardez juste en tête que confier vos placements à un gestionnaire ne supprime pas pour autant les risques, en particulier le risque de perte en capital. Bien entendu, votre conseiller s'assurera en amont, lors d'un entretien épargne, que ce type de gestion est adéquate. Faut-il investir dans des produits financiers alors qu'une crise économique est possible ? En temps de crise, mieux vaut être prudent et n'investir que si vos objectifs et votre horizon de placement sont à long terme. Par exemple, si vous épargnez pour votre retraite. Si vous investissez de manière régulière sur une longue période, le risque est réduit. Vous pouvez donc continuer en temps de crise. Pourquoi ? Parce que les versements réguliers permettent de lisser les prix d'achat des produits financiers dans lesquels vous investissez. Je veux investir dans l'immobilier, mais les taux augmentent. Comment faire ? Si la hausse des taux se maintient, vous avez deux options, Guillaume. Première possibilité, vous allongez la durée de votre emprunt pour maintenir votre objectif d'achat. Deuxième possibilité, vous revoyez vos ambitions à la baisse en achetant à bien moins cher. Ainsi, vous restez sur la mensualité et la durée d'emprunt prévue. Et bien sûr, vous pouvez toujours changer votre fusil d'épaule si vous n'êtes pas convaincu par ces options. Faites appel à votre conseiller bancaire pour identifier d'autres pistes d'investissement. C'est son métier. On parle toujours d'acheter de l'or en temps de crise. Ça a du sens ? L'or Ségolène est effectivement souvent présenté comme une valeur refuge. Pour autant, ça reste un actif risqué. Le marché est volatile, la baisse des cours peut être aussi rapide et imprévue que la hausse. Toutefois, si vous souhaitez investir dans cette valeur, sachez que les banques proposent des placements collectifs dont l'actif sous-jacent est l'or. Que faut-il penser des placements tels que l'art, le vin ou les forêts ? Ce sont des placements atypiques et complexes. Ils sont particulièrement risqués et nécessitent une réelle expertise. Attention, ces placements font l'objet de nombreuses arnaques, malgré les rappels à la vigilance de l'AMF. Elle publie régulièrement des alertes et des listes noires sur son site, dont le lien apparaît sur votre écran. Nous arrivons déjà à la fin de ce 5 des experts. J'espère qu'il vous aura permis d'avoir les idées plus claires sur la gestion des placements en période de crise. Rendez-vous la semaine prochaine pour aborder un nouveau sujet et répondre à vos questions.